c'est la raison pour laquelle ce territoire qui a vu passer des voies ferrées, qui a vu passer des autoroutes sans même être consulté, eh bien ce territoire, notre territoire, veut désormais avoir son mot à dire. Et aujourd'hui, on veut dire non à ce projet. On dit au ministre de l'économie qu'il ne doit pas signer cette autorisation. Et que s'il veut avoir un peu de crédibilité, eh bien, il ne la signera pas. Car de toute façon, par tous les moyens, nous nous opposerons à la réalisation de ce projet. Il vaut mieux que la République reste digne. Merci. Ici, tout le monde est contre. La population, les élus, associations et même la chambre de commerce. Je vois bien que si des militants de l'association BC font 700 km pour te le dire, imagine l'accueil qui te sera réservé si tu devais venir nous chatouiller ici sur nos terres. Tu perds ton temps. Et nous, notre énergie qui pourrait servir à d'autres combats, il y en a. Paris ne peut décider et imposer une mine d'or à un territoire qui le rejette unanimement. Et de toute façon, une entreprise capitaliste destructrice vient ici casser nos montagnes, souiller nos rivières, ne sera jamais acceptée au Pays Basque. Ouais.